est d'abord un jour de fête et de joie qui commence certes par une prière qui nous réunit aujourd'hui et que nous sommes en train de célébrer, mais qui doit se prolonger notamment dans nos foyers, en famille et en groupe élargi. C'est un grand jour pour nous les citoyens de ce pays. On n'a pas à se cacher ni à célébrer notre fête en catimini. Nous sommes chez nous, vous êtes chez vous et on doit s'afficher en tant que tel. Et notre société, qui est de nature tolérante, ne fera bien sûr, ne fera qu'apprécier et partager avec nous ces moments de joie et de fête. En attendant bien sûr que ce jour, ainsi que celui de l'Aïd el-Kibir, soit des jours fériés pour toute la société française. Salam alaikum, Aïd Mabrouk. Monsieur le recteur, cher Ammar Lasfar, avec qui nous travaillons tant. Mesdames et messieurs... Printemps 2008, la France ne parle que du pays des ch'tis. Un film qui bat tous les records d'entrée et un palais de justice, celui de Lille, où l'on annule un mariage pour cause de tromperie sur la virginité de l'épouse. Lille, où une piscine municipale réserve à des femmes des horaires non mixtes pour se protéger du regard des hommes. Lille, où au lycée Federbe en 1994, la question du voile islamique à l'école surgit sur nos écrans. Les Français découvrent que des lycéennes françaises portent le foulard et constatent les uns stupéfaits, les autres scandalisés, qui excluent de leur établissement. Elles manifestent au nom du respect de leur liberté. Depuis, on ne porte plus le voile au lycée Federbe. Celles qui veulent étudier leurs cheveux couverts peuvent le faire au lycée Averroès, le premier lycée privé musulman de France, ouvert dans les locaux de la mosquée de l'île Sud et sous contrat d'association avec l'État depuis la rentrée 2008. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas qu'ils soient incinérés ? Parce que pour eux, il était musulman et que dans la religion musulmane, l'incinération est interdite. Et votre père, il était musulman ? Non. Il avait été élevé dans la religion musulmane. Il avait respecté ses parents pour ça. Mais le jour où il a eu son droit de décision, il a décidé de ne pas croire. L'affaire Bergame, c'est quoi ? C'est trois enfants qui décident de respecter les dernières volontés de leur père pour qu'il soit procédé à une crémation et non à un enterrement au carré musulman et une inhumation. Bon. Vous pensez bien d'abord que la volonté de ces enfants, c'est de respecter la dernière volonté de leur père. C'est absolument pas de disposer de son corps simplement dans un but personnel. C'est respecter la dernière volonté de cet homme. C'est le seul combat qu'ils ont mené. De l'autre côté, le combat mené par celle qui est totalement ignorée des enfants, qui est en instance de divorce. Ils sont séparés depuis 2003. Je rappelle que cet homme décède en 2005. Et de dire non, pas du tout, même si je le vois pas, même si je suis séparé de lui, quoi qu'il arrive, je veux, en qualité d'épouse, même si je suis séparé, même si je suis en instance de divorce, pouvoir moi organiser ses funérailles conformément à la tradition, à l'usage et à la religion musulmane. Bon. Donc c'est bien d'un côté un combat idéologique, et de l'autre côté c'est un combat de l'amour. Et c'est ça qui oppose ces deux parties. L'amour que ces enfants ont pour leur père et le respect de ses dernières volontés, et de l'autre côté, le combat de l'islam, de la religion, pour quoi qu'il arrive, qu'il y ait une primauté de cette religion dans l'organisation de ses funérailles, et non pas le respect des dernières volontés de cet homme. Est-ce que c'est pour ça ou pas? Mais apparemment, vu qu'on gagnait de procès en procès au départ, on a eu le recteur de la mosquée, Ammar Lasfar, de Lille, qui est venu une fois au tribunal. Et on nous a dit qu'il se portait garant de la religion musulmane de mon père. Donc lui, personne étrangère à notre famille, savait mieux ce que notre père faisait chez lui, dans son intimité. Et je vois pas ce qu'il venait faire là. C'était un problème familial.
On a même eu à un moment donné une fatwa dans le premier procès, ce qui est quand même pas rien, une fatwa qui a été adressée à qui? À la justice française, par la Ligue islamique du Nord. Je vous la lis parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. On nous dit, et on dit aux juges français, seule une autorité judiciaire musulmane dans un pays musulman doit définir et vérifier les causes de l'apostasie d'une personne. Voilà. Donc à la limite, la justice française, ça ne vous regarde pas, ne vous en occupez pas. Laissez-nous régler ce problème-là, même éventuellement une autorité judiciaire musulmane dans un pays musulman. Cette fatwa, c'est une fatwa, c'est un avis religieux hein, qui est ici, hein, qui a été adressé à un moment crucial de la procédure, puisqu'il a été adressé juste avant que ce dossier soit plaidé à la cour d'appel de Douai, en disant au juge douaisien... Laissez tomber, ça vous regarde pas, ne vous occupez pas de ça. On gagne à Lille, on gagne à Douai, et on perd à la Cour de cassation sur un motif qui, maintenant, fait jurisprudence. Hein. Voilà, vous êtes né musulman, vous devez mourir musulman, vous serez enterré comme un musulman, peu importe de vos croyances. C'est maintenant dans la jurisprudence française. La justice a tranché. Amar Bergam a été enterré au cimetière de Lille le 19 juin 2005. Premier événement, la justice. Qui est censé être impartial. Deuxième intervenant, la mairie. Pourquoi la mairie de Lille, alors que nous avions eu gain de cause, que l'ordonnance du tribunal nous donnait tout droit, même en attendant que ceux-ci fassent appel, tout droit d'ordonner ce que nous avions décidé, a osé mettre un veto à l'incinération de notre père? L'incinération aurait eu lieu si elle n'avait pas mis son veto. Elle a été à l'encontre d'une décision de justice. Pourquoi? Pourquoi ont-ils eu plus gain de cause à leurs yeux que nous? Et qui est-elle pour décider? Et pourquoi est-elle intervenue? Vous avez une idée là-dessus? Nous sommes que trois. Amar Lasfar, je sais très bien le poids qu'il a. Ils sont plusieurs. Nous sommes trois. Trois enfants, c'est tout. Ça veut tout dire. On n'a pas le même poids électoral. Mars 2008, la campagne bat son plein pour les élections municipales. Au palais des congrès de Lille, Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille Sud, ouvre les débats des deuxièmes rencontres annuelles de la Ligue islamique du Nord, dont il est le président. Personnalité incontournable de l'islam et de la vie politique du Nord-Pas-de-Calais, il a un an auparavant créé la polémique en appelant à un vote musulman à l'occasion des élections législatives. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais simplement, en tant que maire de Lille, vous dire le plaisir de vous accueillir ici pour cette deuxième rencontre annuelle des musulmans du Nord. C'était à Roubaix l'année dernière, c'est aujourd'hui à Lille, et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce grand palais. Je voudrais aussi vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a dans notre République la place ici pour tous ceux qui croient, comme pour tous ceux qui ne croient pas. Il y a la place en France pour un islam à la fois généreux, tolérant et ouvert, dont vous êtes les garants. Et c'est pour cela que je me réjouis de votre présence ici à Lille. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a ensuite un débat démocratique et je salue la Ligue islamique du Nord qui a bien voulu organiser ces journées. Merci encore et bienvenue à Lille. Merci Madame le maire. Ce que j'ai dans ma ville, c'est que certains nous disent, oh là là, 6 quartiers sur 10 en zone franche, 35% de maghrébins, eh ben c'est génial. Moi, je m'emmerde dans des villes où on est tous pareils. Voilà.